Bonjour, avec l'aide de Dieu, on a fini dans le cours précédent les commandements positifs et maintenant nous allons commencer les commandements, 365 commandements négatifs. Aleph, Mitzvah Rishonam, Mitzvah, c'est le premier commandement des commandements négatifs, chez le Lalo de Marshava, de Poussamon, pas l'esprit, chez Yesham et Loka Zulati Hashem, qu'il y a une divinité à part Dieu, chez Nehemar, il est dit, Lo Yilecha Elokim Panay, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Bête, deux, chez le Lasset Pesel, de ne pas faire une idole, le Yasebi Yadon, ni qu'il fasse une idole, le Yasulo Achei, ni que d'autres personnes fassent une idole, chez Nehemar, comme il est dit, le Tasselcha Pesel, tu ne vas pas te faire une idole. Gimel 3, chez le Lasset Avodazara, de ne pas faire une idole, va filou l'Achei, même si c'est pour les autres seulement. Chez Nehemar, il est dit, Velokema, un dieu en métal, vous n'allez pas faire pour vous. Dalet 4, chez le Lasset Tsurot Lenoï, de ne pas faire une forme d'être humain pour faire beau, Afalpish Enov Dimota, même si on ne sert pas, c'est. Ces formes-là, chez Nehemar, il est dit, le Tassuniti et le Chesser, vous n'allez pas faire avec moi des dieux en argent. Et chez le Lishtach, Avot l'Avodazara, de ne pas se prosterner à l'idolatrie, Afapishender, Avodata Bishtachavaya, même si ce n'est pas la manière de servir cette idole en se prosternant, il faut servir cette idole d'une autre manière, on sert cette idole d'une autre manière, eh bien, on n'a pas le droit de se prosterner, quoi qu'il arrive, chez Nehemar, le Lishtach, Avelahem, tu ne vas pas te prosterner à une idole, donc quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de se prosterner à une idole. Vav. 6. Chez le Lavodavodazara, ne pas servir l'idole Bidvarim chez Dakale Avedbaem à la manière qu'on a l'habitude de la servir. Chez Nehemar, il est dit, Vilotaodem, tu ne vas pas les servir ces idoles. Zain 7. Chez le Lavir la Moler, ne pas faire passer au Moler. C'est donc une manière de faire l'idolâtrie qui s'appelle Moler, donc faire passer ses enfants au-dessus du feu, d'un côté à l'autre. Donc. Il est dit, Mizarach, tu ne vas pas donner à ta descendance de faire passer au Moler. Chet, chez Lasot Masé Ov, ne pas faire une action qui s'appelle Ov. Donc, Ov, dans la définition du Rambam, c'est donc quelqu'un qui fait des encens et il entend donc une voix parler en dessous les aisselles. Chez Nehemar, comme il est dit, Altifnu la Ovot, ne vous tournez pas vers les Ovot, donc le singulier Ov, pluriel Ovot, tête. Chez le Lasot Masé Idoni, ne pas faire l'action de Yidoni. Idoni, donc c'est aussi quelqu'un qui fait des encens, donc c'est aussi. Fait aussi partie donc de une notion d'idolâtre et qui se sert d'un os d'un oiseau qui s'appelle Yadoua, donc du langage Yidoni, et n'a pas le droit de faire ça. Et donc, ça fait que la personne commence à parler donc des choses qui vont arriver. C'est interdit chez Nehemar ve'el Yidonim. Yud 10 chez le Lifnot Achar Avodah Zarah, de pas se détourner, de pas apprendre, de pas approfondir donc les bêtises de l'idolâtrie. Chez Nehemar, il est dit Altifnu el Elilim, ne vous tournez pas vers les fausse divinité. Yudalef, chez le lac Matseva, de ne pas faire une stèle, c'est une pierre, un endroit dans lequel tout le monde se rassemble pour faire, à l'époque comme ça, ils faisaient pour faire l'idolâtrie. Donc c'est interdit, même si c'est pour servir Hachem. Quand ici Yudalef, ne pas dresser de monument Matseva. Chez Nehemar, il dit, le lac Matseva, tu vas pas te monter une Matseva, un monument. Yudbet, chez le Liten Even Maskit, de ne pas mettre de pas faire un sol de pierre. En tout cas, ça s'appelait Maskit en hébreu. C'est une pierre dans laquelle on se prosternait, sur ces pierres-là, on se prosternait. Ça s'appelait maskit, parce qu'en général, donc, il y avait des formes, comme ça le Rama m'explique ailleurs, qu'il y avait des formes dans lesquelles les gens regardaient, maskit du langage de regarder. Chez Nehemar, il dit, Ve'even maskit le titre, cette pierre donc, de maskit, vous n'allez pas mettre dans vos terres. Yud Gimel, chez Lolita, Ilan Bamida, je ne vais pas planter un arbre dans le temple. Chez Nehemar, il dit, le titre lecha Asherah, tu ne vas pas planter un arbre qui s'appelle une Asherah. Kol Etz, tout arbre, tu vas à côté du bête du Mizbeah. De l'hôtel, donc dans le Beth Amidash. Yuddalet, 14, chez l'Olishava Vavodazara l'Ovdea, de ne pas jurer au nom de l'idolâtrie à ceux qui servent l'idolâtrie, Velomashbi Motamba, ni les faire eux jurer avec leur nom de leur idolâtrie. Shenema, Vashem Elohim Achirim, Lotaskiru, il y a écrit que le nom de Elohim Achirim, d'un autre Dieu, vous n'allez pas mentionner. Tedvav, chez l'Oladia, Ben Israël Achar Vavodazara, de ne pas inciter, donc de ne pas entraîner d'autres juifs à faire l'idolâtrie. Shenema, il est dit, Loisham Alpira, ça ne sera pas mentionné sur ton nom. Zohazar al-Amadiyar, ça c'est un avertissement à celui qui entraîne d'autres juifs à faire l'idolâtrie. Tetzain, chez le Lahasita d'Ami Israël Achar Avodazara, de ne pas inciter un autre juif du peuple juif à faire l'idolâtrie. Chez Nehemar, il est dit, mais si à propos de celui qui incite, Velo Yosifu Lasot Kadavarara, il ne faut pas rajouter, il ne faut pas faire comme ces choses mauvaises. Yudzain, chez le Leov Amesit, l'incitateur, il ne faut pas l'aimer. Chez Nehemar, il est dit, le Tovelo, tu ne l'aimeras pas. Yudchet, chez l'Azavassin à la Messie, de ne pas abandonner la haine contre l'incitateur. Chez Nehemar, il est dit, Tishmaelav, tu ne vas pas l'écouter. Yudtet, 19, chez le Leatzil à la Messie, ne pas sauver cet incitateur. Et le Omed al-Damo, mais il faut donc
tenir à son sang, donc s'il est en train de mourir, il ne faut pas faire quelque chose pour le sauver. Shanaama, il a dit, Ivlo tachos encha alav, tu n'auras pas pitié, ton œil n'aura pas pitié de lui. Raf 20, Shelo ilam et amusad zrut ala meisit, celui qui s'est fait inciter, ne va pas dire quelque chose de méritant sur celui qui l'a incité. Shanaama, Ivlo tachmal, tu n'auras pas de compassion. Raf 21, Shelo yishtok amusad, mil ilam et chova la meisit imiad al chova, celui qui s'est fait inciter. S'il sait quelque chose pour rendre coupable l'incitateur, il ne doit pas se taire. S'il sait quelque chose qui le rend coupable, Shneamar il dit, Vlotchasalav, tu ne vas pas le couvrir. Chavbet, Shelehanot betzipui nevad, ne pas profiter donc de ce qui couvre l'idole qui a été servie. Shneamar il dit, le tachmat kasevezav alem, tu ne vas pas envier l'or et l'argent qu'il y a sur eux, sur les idoles. Chav Gimel, Shelolivnot irani dachat, une ville donc la majorité des gens ont servi, ont fait l'idolâtrie, doit être entièrement détruite, brûlée. Et on ne doit pas la reconstruire, l'ikmot shehaita, comme elle était une ville d'habitation, on n'a pas le droit de la refaire. Shenema, il a dit, le tibaneod, on ne va pas la reconstruire. Chavdalet, shalolehanod, bemamon iranidachat, de ne pas profiter de l'argent de cette ville qui s'appelle iranidachat. Shenema, il a dit, velo yidbag beyatram umaminacherem, on ne va rien garder dans ta main, va se coller dans ta main, quoi que ce soit de la propriété qui a été bannie. Chafé 25, shalolehanod, bavodazara, de ne pas profiter de l'idolâtrie, bouchol mesham shea. Et de tous ses accessoires, et ce qui lui est apporté en tant qu'offrande, ou le vin qui était versé sur l'idole. Tu ne vas pas amener d'abomination chez toi à la maison. Chava 26, ne pas prophétiser au nom de l'idolâtrie, celui qui va parler au nom d'un autre Dieu, etc. D'ailleurs, que ce soit le verset ici, que ce soit dans d'autres versets qu'on va voir, qu'on a vu, le Ram ramène seulement une partie du verset. Et des fois, la suite de d'où le Rama m'apprend, ou d'où on apprend la mitzvah ou l'interdiction, c'est de la suite. Chav Zayin 27, Shelo Leitna Bebesheker, ne pas prophétiser à faux, Shenem Arashay Yazid le Davar Bishmi, celui qui va faire exprès de dire une parole en mon nom, et à Shalot Siviti, que je n'ai pas ordonné, etc. Chav Fred 28, Shelo Lishmo Amitna Bebeshavod Azara, ne pas écouter de celui qui prophétise au nom de l'idolâtrie, Shenem Arashay, comme il dit, le Tishma, le livre à Navi, tu n'écouteras pas. Aux paroles de ce prophète. Raftet 29, Shelonimana Marigatanya Shaker, ne pas s'empêcher de tuer le faux prophète, Velonira Memeno, ne pas avoir peur de lui, Shenema, comme il est dit, Lotago Memeno, tu n'auras pas peur de lui. Lamed 30, Shelolechet Bechukot Ovde Avodazara, ne pas aller dans les coutumes de ceux qui font l'idolâtrie, Velobmina Gotam, dans leur manière de se comporter, Shenema, comme il est dit, Velotelchou Bechukot Agoy, vous n'allez pas aller dans les lois, dans les coutumes du Goy, de la nation, de celui qui fait l'idolâtrie. Lamed Aleph 31, Shelo Lixon, de ne pas pratiquer la divination, chez Namar, comme il est dit, le Imatz Becha Kosem Ksam, on ne peut pas trouver quelqu'un qui applique chez toi, quelqu'un qui applique la divination, donc faire des choses particulières, qui après, ça va amener donc, à dire des choses de l'avenir. Lamed Bet, Shelo Leonen, ne pas donner des temps, c'est-à-dire ne pas dépendre, sa conduite ne doit pas dépendre en fonction des astres, chez Namar, comme il est dit, Vlote Onenu. Vous n'allez pas mettre des moments, pour dire ce moment-là il est bien pour ci, ce moment-là il est bien pour ça, etc. La mettre Gimel 33, Shelo le Nachesh. Ne pas être Menachesh, en tous les cas, ne pas. Des gens qui disent en fonction de ce qui s'est passé, alors je ne vais pas faire telle chose, l'exemple qui est donné, puisque j'ai un renard qui est passé à ma droite, alors je ne vais pas sortir de ma maison aujourd'hui, parce que si je vais sortir, je vais rencontrer un menteur. Shenemar lo Nachashu. Donc vous n'avez pas le droit d'être Menachesh. La medalet shel chashef. En français, ça se dit augure. Je l'ai dans Wikipédia, la traduction. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent mieux. Ça, donc, c'est pas se faire des choses d'augure. Ici aussi, donc, il traduit le nachesh par augure. Ne pas se livrer aux augures. Comme il est dit, vous ne vous livrez pas aux augures. La medalet shel chashef. Donc, de pas faire la sorcellerie. Donc, toutes sortes de sorcellerie. Shenema, comme il dit, l'oïmat se becha, qu'on peut pas trouver dans toi, bechashef. Et quelqu'un qui est mechashef, donc qui est sorcier. Lamed he, shelo larvo chever. D'après le Rambam, larvo chever, c'est quelqu'un qui parle des paroles donc, qui sont imaginaires, qu'il pense que par cela, ça va le protéger d'un serpent, de quelqu'un qui est mauvais, etc. Shenemar ve chover chever. Comme il est dit, donc l'interdiction de celui qui est chover chever. Donc celui qui dit ces mots-là, qui s'imagine que ça fait quelque chose de bien. Lamed vav, shelo lishol be'ov, de ne pas demander. De ne pas demander des questions donc de l'avenir dans le Hov. Le Hov, on a déjà appris avant, on a parlé dans la page précédente, on a parlé du Hov, le Lifnot et la Ovot, donc dans le Chet, dans le 8. Donc ici, donc, on n'a pas le droit de demander. Donc là-bas, c'était l'interdiction de faire cette
chose-là qui s'appelle Ov. Ici, c'est quelqu'un qui vient et il demande par le Ov. Donc, il fait certaines choses, donc par cela, il va avoir des réponses. Shenema Veshoel Ov, comme il dit, celui qui demande au Ov. Lamed Zayin, Shelo Lishol Beidoni. Ne pas demander donc l'avenir aussi au Yidoni, c'est ce qu'on a appris avant, celui qui met l'os qui s'appelle Yadoua et sous les aisselles, ça parlait des aisselles. Non, tu vois, il met dans sa bouche, ça parlait sous les aisselles. Il me semble que c'est ça en tous les cas. Donc ce Yidoni, donc il n'a pas le droit de faire cette sorte de Yidoni chez Nema, comme il dit, Shoel Ov et Yidoni. Donc il parle, qui demande à Ov et Yidoni, la Metchet 38, chez le Lichol Bachalom Inametim, de pas demander à un mort de venir donc pour lui répondre en rêve, quelque chose, donc quelqu'un qui fait quelque chose pour que les morts vont venir lui dire quelque chose. Chez Nema, il dit, Doresh Alametim, celui qui demande aux morts, la Metchet, chez le Tad Isha Adeish, que la femme ne va pas mettre une parure qui appartient à un homme. Il dit il ne va pas y avoir un ustensile, un vêtement, une parure d'homme sur la femme. Même, il y a des isha, des isha. Maintenant, dans le sens inverse, qu'un homme ne va pas mettre une parure d'une femme. Il dit qu'un homme ne va pas mettre un vêtement de femme. Parce que ça, c'était la coutume de ceux qui faisaient l'idolâtrie. Comme ça, c'est dit explicitement dans les livres de la manière comment sert les idoles. Même Aleph 41, chez le Lirtov Bagouf Kovdé Avodazara, de ne pas écrire dans le corps comme les idolâtres le font, donc de faire un tatouage dans le corps de l'homme, un tatouage qui ne parle pas. Chez Nehemar, qui on lui dit, Ktovet Kaka est imprimé, donc Kaka, tatouage de Titnou Bachem, vous n'allez pas mettre dans vous, dans votre corps. Même Bet 42, chez le Lilbos Chatnes, de ne pas s'habiller avec un vêtement qui est mélangé de lin et de laine, qui moche l'ofshim kumar et avodaza, comme s'habillent les prêtres de l'idolâtrie, les idoles, chez Nehemar, comme il dit, le tilba chatnes, tu ne vas pas t'habiller avec chatnes, un mélange de lin et de laine. Même Gimel 43, chez le hakif peadroche, ne pas couper à la lame, donc le coin de la tête qui kumar et avodaza, comme les prêtres de des idoles, chez Nehemar, il dit, le takifu peadrochem, vous n'allez pas couper, vous n'allez pas raser les coins de votre tête. Même Dalet 44, chez le Lahashrit Kolazakan, ne pas détruire toute la barbe avec la lame, qui obde avodazara comme ceux qui servent l'idolâtrie. Chez Nehemar, il dit le Tashrit et Pez Ganecha, tu ne vas pas détruire les coins de ta barbe. Même He, chez le Godel, qui obde avodazara, de ne pas faire des entailles sur le corps en tant que signe pour un deuil d'un mort, quelqu'un est mort. Chez Nehemar, comme il dit, le titre Godedou, vous n'allez pas vous faire des entailles. L'expression de Ugdida ou Sita, c'est deux expressions, mais Achati, c'est la même idée, jusque Gdida, c'est quand on fait ça avec un ustensile, avec un couteau ou quelque chose comme ça, et Sita, c'est faire une entaille avec la main. Même Vav 46, chez le Lishkonberet Insaim, le Olam, ne pas demeurer de manière fixe en terre d'Égypte à l'éternité, on n'aura jamais le droit, chez Nehemar, comme il est dit, le Tosifun Lashuv Bader Hazehod, vous ne retournerez pas dans ce chemin pour aller en Égypte. Même Zayin 47, chez le Latour Achama, Marshavot Alev Uriatenaim, de ne pas se détourner, de ne pas chercher derrière les pensées du cœur et ce que nos yeux voient. Chez Nehemar, comme il est dit, le Tatourou Achelav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 
du peuple juif, c'est-à-dire une fois qu'il s'est converti, il n'a quand même pas le droit de se marier avec une juive jusqu'à 3 générations, mais on n'a pas le droit de le repousser plus que 3 générations. Shenema, comme il a dit, le tétaï va domi. Tu vas pas mettre en abominé, tu vas pas mettre de côté le adomi. Tu n'auras pas le domi, ton abomination. Shelolach et donc de pas la même chose aussi pour l'Égyptien, de pas éloigner l'Égyptien, milav au bakal de venir dans la communauté. Elle a tshloshadorot uniquement jusqu'à 3 générations. Shenema, le tétaï mitzi, tu vas pas mettre l'Égyptien en abomination. Nunvav 56, chez le Liko Shalom, le Amon Moav, Batrila, Bishat Minchama, Kishar Goïm. Contrairement aux autres Goïm, aux autres nations, lorsqu'on va faire la guerre contre eux, tout d'abord, on leur appelle à faire la paix. Et après, seulement s'ils ne veulent pas, on fait la guerre. En ce qui concerne Amon et Moab, eux, on ne les appelle pas à faire la paix. Chez Nehemar, comme il a dit, le Tidro Shlomam Vetovat, tu ne demanderas pas leur paix et leur bien. Nunzain 57, chez le Lashrit, il a des Machal, de ne pas détruire des arbres fruitiers. Vechenkoy, chez Yeshua Ashrat, de même, toute chose, il y a ici une destruction, donc quelqu'un qui détruit des ustensiles parce qu'il est en colère ou bien il déchire des vêtements pour aucune raison. Assur, c'est interdit. Shenamar, il dit le tashrit et etza, tu ne vas pas détruire ces arbres. Nunchet 58, chez le Yiruan Shamilchama, que les gens de la guerre n'ont pas le droit d'avoir peur. Le Yifrad ou Moivem, ne pas craindre leurs ennemis, ne pas craindre les gens de la guerre, ne pas avoir peur de leurs ennemis. Bishat Milchama, au moment de la guerre. Shenamar, il dit le Tarot Mipnem, ne te démoralise pas devant eux. Le Tiraum, n'aie pas peur d'eux. Nuntet, chez le Yasum Milvavenu Maser Malek, on ne va pas oublier de notre cœur, ça va pas se détourner de notre cœur, l'action que Maser Amalek a ra chasse à l'anou, l'action de Amalek, le mal qui nous a fait, Shenemar, comme il est dit, Lotishkar, tu n'oublieras pas, Samer 60, Shanou Mouzarim al Birkat Hashem, on a l'avertissement de ne pas maudire Dieu, c'est écrit Birkat Hashem, la bénédiction de Dieu, mais c'est pour une manière de parler, ce qu'on appelle en hébreu l'expression de Sagenaor, donc Birkat Hashem, la bénédiction de Dieu, on n'a pas le droit de maudire Dieu, Shenemar, comme il est dit, Elokim Lotekalel, Dieu, tu ne vas pas maudire. Nemar ba'onesh, il dit à propos donc de la punition, v'nokev shem Hashem yumat, celui qui mentionne le nom de Dieu pour et il maudit le nom de Dieu, yumat sera mis à mort. V'zeh haklal, le Rambam ici nous donne la règle. Kol she'ana shalav akatuv karet umitat belin. Sache qu'à chaque fois que le verset, donc c'est-à-dire la Torah, punit la personne de karet, de retranchement, ou bien de mort du bedin, que le tribunal va le tuer, alors sache, a raison mitzatotase, c'est-à-dire c'est un commandement négatif. Systématiquement, c'est un commandement négatif s'il y a karet ou mitat bedin, le retranchement ou la mort par le tribunal, chutz mila ou pesach, à part 2 exceptions, la circoncision et le sacrifice de pesach, shehem be karet, que eux, en effet, ils sont en retranchement, mais pourtant, en vain mitzatase, c'est un commandement positif de faire la circoncision, c'est un commandement positif de faire le sacrifice de pesach. Samechale 61, chez le lavor achoua bitouille. Ne pas transgresser un serment de bitouille d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui jure qu'il a fait telle chose, ou quelqu'un qui jure qu'il n'a pas fait telle chose, quelqu'un qui jure qu'il va faire telle chose, ou quelqu'un qui jure qu'il ne va pas faire telle chose. Et concrètement, la chose avait été faite, ou n'a pas été faite, ou il va la faire, il ne va pas la faire. Donc le contraire de ce qu'il a dit, chez Nehemar, comme il est dit, velotisha vous bishmina shaker, vous n'allez pas jurer à mon nom en vain. Faux. Sa mère bête, 62, chez le lichav à la chav. Ne pas jurer gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire que quand ça sert à rien. C'est plutôt ça l'expression de en vain. Chez Nehemar, comme il est dit, le tissa et chem hachem loker à la chav, tu vas pas mentionner le nom de Dieu pour rien. C'est-à-dire quand, par exemple, quelqu'un qui jure, un homme, que c'est une femme. Ça, c'est un serment en vain. Donc, c'est l'exemple pour shvuat chav. Un serment en vain. Sa mère guimel, 63, chez le lichav à la chav à kadosh. Ne pas profaner le saint nom de Dieu, Baruch Hu, chez Nehemar, comme il dit, vous n'allez pas profaner mon nom saint. Samer Dalet 64, chez le Nasot Edvar Hashem, de ne pas éprouver la parole de Dieu après qu'on voit qu'un prophète, c'est un vrai prophète, on n'a pas le droit de remettre en question sa prophétie et encore de l'enquêter ou de l'éprouver. Chez Nehemar, il dit, vous n'allez pas éprouver l'éternel votre Dieu. Samer 65, chez le Abed Betamigdash, au Bateknesiot, au Batemidrashot, ne pas détruire le temps des temples, de synagogues ou des lieux d'études, v'chen de même, en mochakim et Hashem otam kudash, on n'a pas le droit d'effacer les noms saints de Dieu, v'en me'abdim et kiv v'akodesh, on n'a pas le droit d'effacer les écrits saints, c'est-à-dire le Tanakh, Torah, Nevim et Ktuvim, les prophètes et les hagiographes, shenemar, comme il est dit, abet te abdun v'asherem, tisruin, il dit à propos, donc de ce qu'il s'agit des idoles, vous allez les éliminer et leur asherah, leurs arbres de asherah, donc d'idoles, vous allez brûler, par contre, il y a écrit, le tasun ken Hashem lokar, vous n'allez pas faire ainsi pour l'Éternel, votre Dieu. Samer 20, 66, chez le Yalina Tsaru Valaet,
que celui qui a été pendu ne va pas passer la nuit sur l'arbre. Shenamar, il est dit, l'otal nivlato à la het, que son corps, sa dépouille, ne va pas rester passer la nuit sur l'arbre. Samer Zain, 67, Shelolahashmit Shmir Asavila Migdash, ne pas arrêter la garde autour du Migdash. Donc il faut toujours qu'il y ait la garde autour du Bet Amigdash, il ne faut pas que ça s'arrête. Shenamar, il est dit, Ushmar temet Ushmar atakod, et je vous allez garder la sainte garde. Samerhet, 68, Shelolikanes Kohen Nahechal Becholet, que le Kohen ne va pas rentrer constamment au Echal, donc à chaque moment. Shenamar, Valiavo Becholet à la Kodesh, donc le Echal, donc c'est dans le Saint et le Saint des Saints, il ne peut pas rentrer à chaque moment, comme il y a écrit. Donc, Valiavo Becholet à la Kodesh, il ne va pas venir à chaque instant au Kodesh, au Saint. Samertet, Shelolikanes Baalmum, Minamizbeach, Veliftim la Echal, qu'un Kohen qui a un défaut, il n'a pas le droit d'entrer à partir du Mizbeach. Et l'intérieur donc, du Echal, Shenamar, il est dit, Achal Parochet, le Yavo, il a pas le droit de passer à travers le Parochet, le rideau. Donc, il y a un endroit dans le Beth Amidash dans lequel il n'a pas le droit de rentrer. Donc, à partir, donc ça c'est une image, donc on voit le Mizbeach lorsque c'était dans le désert. Donc, à partir de là, à partir du Mizbeach, et plus loin, il n'a pas le droit de rentrer. Donc, ça encore une fois, c'est le Mishkan qui est dans le désert, le terrain qui est dans le désert, mais c'est le même principe pour le Beth Amidash pour le temple. À partir de cet endroit-là, le Kohen qui est Balmoun qui a un défaut, il n'a pas le droit de passer plus loin. Continuons. Aïn Aleph, chez le Yavod Balmoum Over, que un Balmoum, non, excusez-moi, d'abord Aïn 70, chez le Yavod Balmoum, un Kohen qui a un défaut, il n'a pas le droit de travailler dans le temple, chez Neymar, chez Yibo Moum le Yikav, celui qui a un défaut, il ne va pas s'approcher. Aïn Aleph 71, chez le Yavod Balmoum Over, que même quelqu'un qui a un défaut seulement, qui passe, qui est passager, lui aussi, il n'a pas le droit de servir dans le temple. Shendamar, Kol, Ishesha, Bomum, le Ikav, tout ce qui a un défaut, il n'a pas le droit de s'approcher. Il s'agit ici donc de quelqu'un qui a un défaut corporel, un défaut physique, qui sont énumérés plus tard lorsqu'on apprendra Biat Migdash dans le Rambam, dans le Sefer Avoda Bezrat Hashem. Aïn Bet 72, Shelo Itasko, Levim, Bavodat Akohanim, que les Lévites ne vont pas avoir affaire, ne vont pas prendre le travail des Kohanim, des prêtres, Velo Akohanim, Bavodat Alevim, ni les prêtres, le travail des Lévites, Shendamar, comme il est dit. Dieu, Moshe, il a dit à Aaron, qui était Cohen, et à Cléa, Kodesh, Val Mizbeach, le Ikavu, que ce qui est saint, ce qui est de l'autel, ils ne vont pas se rapprocher, le Yamut ou Gamem Gamat, ils ne vont pas mourir, ni eux, ni les Lévites, ni vous aussi, donc les Kohanim. Aïn Gimel 73, chez le Ikanes Amigdash, le Yore Batorash Tuyaim, que quelqu'un qui est sous n'a pas le droit de rentrer dans le temple, il n'a pas le droit de trancher la halacha, la loi. Même s'il n'est pas Cohen, on parle en général de n'importe quel juif, qui est sous la parole de trancher la halakha shenem, elle dit, Yaim Veshecher Altesht, il y a écrit du vin, de l'alcool, ne bois pas, Bevoachem Elohel Moed, lorsque vous rentrez dans la tente d'assignation, donc dans le temple, et ensuite il y a écrit, ou le Horot et Bnei Israël, pour enseigner les Bnei Israël, on apprend que pour trancher la halakha au Bnei Israël, si quelqu'un est sous, n'a pas le droit de le faire. Aïm Dalet, 74, chez le Yavod Azar Bamigdash, que quelqu'un qui est zar, qui est étranger, c'est-à-dire qu'il n'est pas Kohen, n'a pas le droit de servir dans le temple, shenem, comme il dit, Vezar, un zar, un étranger, donc il n'est pas Kohen, le Yikav Alech ne va pas, littéralement, pas s'approcher de vous, donc pour travailler dans le temple. Aïnhe 75, chez le Yavod Kohen Tame, qu'un prêtre qui est impur n'a pas le droit de servir dans le temple. Shneema, il a dit, Vinazru Mikot Shevni Israël, ils vont se séparer, ils vont s'éloigner des sacrifices des Bnei Israël. Il s'agit donc d'un Kohen qui est impur. Aïnvav 76, chez le Yavod Kohen Tvulyom Atcheyarif Shimcho. Un Kohen qui s'est trempé au Mivé, dans le bain, il s'est immergé dans le bain, immersion, il a fait une immersion dans le bain rituel aujourd'hui, et toute la journée jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie des étoiles, il est appelé un Tvul Yom, qui s'est trempé Tvila, dans le Mivé, aujourd'hui, il doit attendre, le soleil se couche, et après il sera pur, il pourra donc servir dans le temple, Shenema, il est dit, on apprend ça, du verset qui dit, ils ne vont pas profaner le nom Elohim, le nom de leur Dieu. Aïn Zain 77, chez le Kanestam et la Hazara, que quelqu'un qui est impur n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara. Dans la Hazara, donc c'est ce qui représente ça. Donc ici, là, ce qu'on appelle le Machane Shrina, donc ça, encore une fois, ça c'était dans, lorsque les Juifs étaient dans le désert. Donc c'est Machane Shrina, donc l'endroit, comme il y a écrit, Vloitamut Machane, ils ne vont pas rendre impur leur camp. C'est Machane Shrina, c'est le camp de la Shrina. Ce qu'on voit ici, c'est Machane Shrina, le camp de Shrina, la présence divine. Il y a ce qui est autour, c'est le Machane Leviya, le camp des Lévim, puisque les Lévim, lorsqu'ils étaient dans le désert, il y avait Moshe Rabbeinu avec les Lévim qui étaient autour du Mishkan. Et ça, on le retrouve donc dans la prochaine halakha à Inred 78, chez le Ikanestam et le Machane Leviya, que quelqu'un qui est impur ne rentre pas dans le camp des Lévites, donc qui est autour de la Zara. Chez Kenek dans le Dorot Arabait,
dans les générations à venir. Ça, ça correspond au Harabait, au mont du temple. Donc ici, on a le mont du temple, donc c'est une image évidemment. Donc ça, c'est du troisième temple. D'ailleurs, il faut se préparer pour la venue de Mashiach. Donc ici, il y a le troisième temple. Et ici, il y a le temple lui-même. Donc cet endroit-là, il est considéré Machane Leviya, le camp de Lévim, à l'image de ce qu'il y avait à l'époque. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, il y avait le Mishkan. Mais autour, il y avait le Machane Leviya, il y avait les Lévim qui campaient. Aïn Tet, chez le Livnot 79, chez le Livnot Avdam Misbeach Gazit, ne pas construire les pierres du Misbeach de l'autel en pierre taillée. Vous n'allez pas les construire en pierre taillée. Donc en pierre taillée avec du fer, c'est interdit. P80 chez le livre Soala Misbeach. On n'a pas le droit de faire des marches sur le Misbeach, sur l'autel, pour monter avec des marches. Donc il faut le faire en pente directe. Vous n'allez pas monter avec des marches sur mon autel. P81 chez le Chabot Hacham Misbeach. De ne pas éteindre le feu qu'il y a sur l'autel. Il dit un feu perpétuel va brûler sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Tu ne l'éteindras pas. Pébet 82. De ne pas amener des encens et des offrandes sur le misbéar, sur l'autel en or. Il dit le talo la ktoretza. Vous n'allez pas amener sur lui des autels, des ktoretz, des encens qui sont Zar, qui sont étrangers. Ici, on a l'autel en or, donc ce qui était à l'intérieur du Heichal, à l'intérieur du Kodesh, du Saint. Donc uniquement les encens que la Torah dit qu'il faut amener, on amène dessus, rien d'autre. Pégimel 83, chez le Lassad Matkonet Shemen Amishra, de ne pas faire la composition de l'huile d'onction, donc, qui était faite pour oindre les grands Kohanim Dolim, les grands prêtres et les rois. Donc la Torah dit une certaine composition, on n'a pas le droit de faire la même composition. Chez Nehemar, comme elle dit, Ubemat Kunto Lotasu. Et dans cette composition-là, vous n'avez pas le droit de le refaire. Pédalet 84, chez le Lassur Beshem Anamish Razar, que quelqu'un qui est étranger, donc qui n'est pas grand prêtre, qui n'est pas roi, il est considéré zar étranger par rapport à ce Shem Anamish, à cette huile d'onction, il n'a pas le droit de se oindre, on n'a pas le droit de loindre avec, il n'a pas le droit de se oindre avec. Chez Nehemar, il est dit, Al Besar Adam le Yisar, sur la chair d'un homme, d'un être humain, donc qui est ordinaire, on n'a pas le droit de le oindre. Pehe 85, chez le Lassad Matkonet Aktot, on n'a pas le droit de faire la même composition exacte que les Ktot, que les encens qu'il y avait dans le temple, dans le Mishkan aussi. Chez Nehemar, comme il dit, Matkunta Lotasulachem, dans cette composition, vous n'allez pas faire pour vous. Pevav 86, chez le Otsi Bade Aaron, chez Nehemar, Yassur, Mumen, on n'a pas le droit de faire sortir les barres du Aaron. Donc il y avait le Aaron large, l'arche avait des barres, donc les barres devaient toujours rester constamment sur le Aaron, sur l'arche sainte qui était dans le temple. Pezaïn 87, chez le Yizach HaChoshel Me'ala Ephod, que le Choshel, le pectoral, n'a pas le droit de bouger du Ephod. Le Ephod, c'est ce qu'on voit ici, donc c'est le tablier du Kohen, et on a donc le Kohen qui met le pectoral, donc le pectoral, c'est ce qu'on voit ici, et on voit donc ici, donc il y a le Ephod de ce côté-là, il y a aussi donc les bretelles qui arrivent jusqu'à là, juste derrière ici, donc c'est le Ephod, il est rattaché aussi bien par le haut, comme on voit donc ici, aussi bien par le haut, aussi bien par le bas, sur le Ephod, sur ce tablier. Donc il ne doit pas bouger de sa place. Chez Nehemar, comme il est dit, le Yizach HaChoshen Mala Ephod, que le Choshen, donc le pectoral, ne va pas bouger du Ephod, du tablier. Pechet 88, chez le Ikara Meil, que le vêtement du grand prêtre, c'est un des huit vêtements du grand prêtre, il n'a pas le droit de. Il ne doit pas se déchirer. Chez Nehemar, comme il est dit, Kefitacha Yelo, il aura une doublure Loikarea et. Pour pas qu'on va le déchirer, pour pas qu'il soit déchiré. Peut-être 89, chez le Lalot Kodshim Bachutz, ne pas amener des sacrifices donc, qui sont saints à l'extérieur du temple. Chez Nehemar, comme il est dit, Sham Alecha Pental Olotecha, gare à toi, de peur que tu vas offrir tes holocaustes, etc., dans un autre endroit que le temple. Tzadik 90, chez le Lishrot Kodshim Bachutz. Donc, de ne pas sacrifier, donc de ne pas faire la Shrita, donc quelque chose qui est saint à l'extérieur, donc d'un corban à l'extérieur. Chez Nehemar, dans l'écoute, c'est-à-dire à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur du parvis du Bet Amigdash du temple, chez Nehemar, il est dit à Cher Ishrat, Cher Ochesev, qui va offrir un chor, un taureau ou un agneau, Vel Petach Oel Moed Levios, il n'a pas amené au Oel Moed à la tente d'assignation, Vel Nichat, il aura le carré, il sera retranché. Tzadik Kalef, soit 91, chez le Lag Nishba Lemum la Misbeach,
de ne pas sanctifier des animaux qui ont des défauts pour, sur le misbéach, pour l'autel. Shenemar, qu'il a dit, kol asher bo moum, lo takrivu. Tout ce qui a un défaut, vous n'avez pas le droit d'offrir. Zehu isur ekdesho, c'est l'interdiction de le sanctifier. Tzadik Bet 92, shelo lishrot baalei moum leshem korban. De ne pas faire la shrita, de ne pas immoler donc, un animal qui a un défaut pour, en tant que sacrifice. Shenemar, il a dit, lo takrivu el Hashem, vous n'allez pas offrir cela pour Hashem. Tzadik Gimel 93, shelo lizrot dam baalei moum legaber misbéach. Ne pas verser du sang si quelqu'un, il a, oui, fait la shrita de ce sacrifice qui était balmoum, donc qui avait un défaut sur le misbéach, et bien après, à la suite de ça, donc il ne doit pas faire encore une avéra de jeter le sang de celui qui a un défaut sur le misbéach. Parce qu'en général, donc après avoir fait le sacrifice, on doit asperger du sang sur le misbéach, sur l'autel. Shenemar balmoum, il est dit à propos de ces animaux qui ont un défaut, le takri vous l'Hachem, vous n'allez pas offrir à Hachem, vezeo isouzrik abdamo, donc ça c'est l'interdiction d'asperger son sang. Tzadik Dalek 94, sur le lac tiré mouréba le moumim, de ne pas faire monter en fumée, donc les mourés, et mouré, c'est des choses que Dieu il a dit, c'est un langage de la mira que Dieu il a dit d'offrir sur l'autel. S'il y a un animal qui est balmoum, qui a un défaut, il ne faut pas l'offrir sur l'autel. Shenem a dit, il ne faut pas offrir donc, ces morceaux-là sur l'autel. Shenem a vi ishe lo titum même à la misbeach, et un feu, donc une offrande, vous n'allez pas donner de eux, de ces animaux qui ont un défaut, sur l'autel. Tzadiké 95, chez le lakif balmoum over, de ne pas sacrifier même un animal qui a un défaut qui est passager. Chez Namar, il est dit, le tizbach, l'achem, l'okar, achem, vassé, achem, yeboumoum, tu ne vas pas offrir sur l'autel, tu ne vas pas sacrifier un taureau ou un agneau qui a un défaut, zemoum over, donc ça c'est un défaut qui est passager. Tzadiké 96, chez le lakif balmoum yada goyim, ne pas amener un sacrifice, donc il y a un défaut de la main des nations, d'un goy, et de la main, donc ça, quand ça vient même d'un non-juif, d'un étranger, l'otakri, vous n'allez pas offrir ce sacrifice s'il a un défaut. Tzadik Zayin 97, chez le little mumba kochim, de ne pas mettre de défaut. Si on a un sacrifice, donc un animal qui est sain pour l'autel, on n'a pas le droit de lui mettre un défaut. Shenem, il dit, kol mum lo yebo. Tout défaut il n'y aura pas, que l'homme, c'est-à-dire, al titen boum, ne lui fait pas un défaut. Tzadik Red 98, chez le lakif, c'est orot vache, ne pas offrir sur l'autel du levain ou du miel, chez Nehemar, comme il dit, qui chol sur vechol vache, lo taktiru, que du levain et du miel, vous n'allez pas offrir. Tzadik Tet 99, chez le lakif tafel, ne pas offrir un sacrifice sans sel, chez Nehemar, il dit, le tashbit mela brit elokera, tu ne vas pas annuler, tu ne vas pas enlever le melach, le sel, tu n'omettras pas donc le sel de l'alliance de Dieu. Kouf, sans, chez le lehakiv etnan umchir, ne pas offrir un etnan, donc c'est le salaire qui a été donné par une prostituée, ou mechir, c'est un échange. Si quelqu'un il a échangé un agneau contre un chien, il n'a pas le droit de donner cet échange-là en tant que sacrifice, bien que cet agneau-là, c'est un agneau qui est kasher, il n'a pas le droit de le donner pour l'autel, Shenemar, comme il est dit, le Tavi Etnan Zona, il y a qui tu n'as pas amené en tant que sacrifice le cadeau d'un Zona, donc le salaire d'une prostituée, ou Mechir Kalev, et l'échange d'un chien. Kouf Alef 101, chez le Lichrot Otovel Beno, ne pas immoler, donc le même jour, le père et le fils, ça peut être la mère aussi et le fils. Shenemar, comme il est dit, Otovel Beno, lo tishratu. Non, c'est la mère, ce n'est pas le père et le fils. A priori, je crois que c'est que la mère. Donc la mère et le fils ou la fille, on n'a pas le droit de le tishrat ou biyomachad, on n'a pas le droit de faire la shrita le même jour. Je ne sais pas, sur le côté, il y a écrit, sur l'ishrat et ta envet bena, obitab oto ayom. Il ne va pas donc du père et du fils, je ne sais pas, on verra qu'on apprendra ces halakhot là. Kouvbet, 102, chez le liten zayt bimitrat chote, ne pas mettre de l'huile d'olive, il y a qui l'olive, c'est de l'huile d'olive dans le sacrifice, dans l'oblation d'un fauteur, ce qui a fauté, qui amène cette mincha, shenemar, comme il est écrit, le yassimale Hashem, il ne va pas mettre dessus de l'huile sur cette oblation. Kouf Gimel 103, chez le litenale à levona, ne pas mettre dessus du levona, en français, ça se dit de oliban, si ça vous aide, donc c'est une sorte d'encens, donc qu'on mettait dans les mincha en général, mais seul de fauteur, on n'en met pas, shenemar, il dit, le litenale à levona, il ne mettra pas dessus de l'oliban. Kouvar 106, chez le Lehamir, ne pas faire un échange d'un animal qui était sain, de le changer avec un autre animal. Cet animal, il est sain, je veux dire, tiens, celui-là maintenant, il va être l'échange de l'autre, on n'a pas le droit de faire ça. Chez Nehemar, il est dit,
Lo yachalifenu velo yamiroto, il ne va pas le changer. Kuvzaïn 107, shelo leshanata kotchi mikorban lekorban, ne pas changer les sacrifices saints d'un sacrifice à l'autre. Par exemple, si j'ai un sacrifice qui était pour un khatat expiatoire, je veux dire, tiens, maintenant il va devenir shlamim, un sacrifice de paix, je n'ai pas le droit. Shenema babecho, il est dit à propos du premier-né, lo yaglish ish oto, qu'un être humain ne va pas le sanctifier, que ça veut dire que l'homme a le yaglish ne le korban acher, ça veut dire ne le rend pas kadosh pour un autre sacrifice, puisqu'il est déjà bechor, il est déjà une sorte de sacrifice en tant que premier-né. Koufret 108, chez le livre d'Ot Bechor Behemateur, ne pas racheter le premier-né d'un animal qui est pur, puisqu'il est déjà kadosh, il est déjà saint. Il n'y a pas à le racheter, contrairement à un être humain, qui le Bechor, le premier-né, il est racheté. Shenam avait dit à Bechor Shor, en ce qui concerne le premier-né d'un taureau, l'otif de tu vas pas le racheter. Kouftet 109, chez le Limkor Masar Behema. Une fois qu'on a fait on a pris le dixième des animaux, donc on a fait passer 10 animaux, le dixième, il est devenu. Le maser est devenu saint, donc le dixième de l'animal. On a celui-là, on n'a pas le droit de le vendre. Shneamar le Yigal, il dit, il va pas être racheté. Il va pas être racheté, il va pas être vendu. Kufiud 110, chez le Limkors de Acherem. Ne pas vendre un champ sur lequel quelqu'un il a dit, donc il a été magiche, il a sanctifié ce champ, il a dit, ce champ-là, il est Cherem. Il est pour Hachem, il doit le donner au Kohen, il n'a pas le droit de le vendre. Shneamar, il dit, que Cherem, tout Cherem, l'Oimacher ne sera pas vendu. Kufiud d'Alef 111, chez le Livdos de Acherem, donc de ne pas racheter. Ce chant-là qu'il a dit qu'il est Kherem, qu'il est donné pour Hachem, pour le Kohen, Shenem, il a dit, Velo Yigael, il va pas être délivré. Kuf Yud Bet, 112, chez le Yavdil Bechatata Of. En ce qui agit, donc, il y a sacrifice expiatoire lorsqu'on amène un oiseau. Alors la Torah, elle dit qu'il doit, Shenem, il a dit, ou Malaket Rosho Mimulorpo. Il va rompre la tête. Donc c'est avec l'ongle, le Kohen, il prenait avec son ongle, et l'endroit, il moule hors pour l'endroit où il y a la nuque, là-bas, face à la nuque, il va avec son ongle donc, faire une sorte de shrita, mais il doit séparer Velo Yavdil, il doit couper, mais sans séparer, il ne faut pas que la tête, elle va être séparée de l'oiseau, il faut qu'elle reste encore collée à l'oiseau, il reste collé au corps. Kufiud Gimel, 113, chez le Lavot Bakotchim, de ne pas travailler, de ne pas faire de travail avec un sacrifice, avec un animal qui a été rendu saint. Shenema, il a dit, le tavol prochorecha, tu ne vas pas travailler avec le premier-né de ton taureau. On apprend ça, donc c'est pour tous les autres sacrifices qui sont saints. Tous les autres animaux qui sont saints, qu'on n'a pas le droit de travailler avec Kofiudal, 114, chez le Ligzos de Takotchim, de ne pas tondre les animaux qui sont saints. Shenema, il a dit, le tagos prochorecha, tu ne vas pas couper donc ta tonte du premier-né de ton tson, de ton bétail. Kouftet Vav, il s'agit évidemment des kochim, des choses qui sont saintes. Kouftet Vav 115, Shlo Yishrata Pesach Vachametz Kayam, on n'a pas le droit de faire la shrita, le sacrifice de Pesach, de Pâques, alors qu'on a encore du chametz, on a encore du levain, du pain, etc. chez nous. Shneam, elle a dit, le Tishrata Chametz Dam Zivri, tu ne vas pas faire la shrita, tu ne vas pas abattre donc le sacrifice de Pesach, si tu as encore du chametz chez toi. Kouftet Zayin, Shlo Laniach Emura Pesach Hachipasu Belina, pas laisser les choses qu'il faut offrir sur le Mizbeach, donc de la partie de du sacrifice de Pessah, il ne faut pas le laisser passer la nuit, de manière qu'ils vont devenir pasoul, ils vont devenir ina parce qu'ils ont passé la nuit. Shenema, comme on a dit, Velo Yalin Chelef Chagi, va pas passer la nuit la graisse de mon offrande ad boker jusqu'au matin. Kuf Yud Zayin, donc ça ne va pas laisser ça jusqu'au matin. Il faut l'offrir sur le Mizbeach au moment où il faut. Kuf Yud Zayin, chez l'autre, il ne de pas le laisser. De la viande du sacrifice de Pesach, chez Neymar, Velotitio, Manuel Bok, il y a écrit, vous n'allez pas en laisser jusqu'au matin. Si on fait le sacrifice de Pesach aujourd'hui, il faut le manger ce soir et pas en laisser jusqu'au matin. Koufiou traite, chez le Lehotir, Mechagig, Atabas, Aliyamashlichi, ne pas laisser de la Chagig, Korban Chagig, le sacrifice de Chagig, on l'offrait donc le 14 Nissan, on le mangeait en même temps que le sacrifice de Pesach. Donc ce sacrifice-là, si on le fait aujourd'hui, eh bien il ne faut pas en laisser jusqu'à la Yomashlichi, jusqu'au troisième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est considéré un jour. Après, il y a la nuit et demain, c'est considéré un deuxième jour. Et après, la nuit de demain soir jusqu'au matin du troisième jour maximum. Shenem, il a dit, « Velo yal nuit nabas, ça ne va pas faire passer la nuit de cette viande-là. »« Mi piach moi l'amdou. » Donc, ce qui a été transmis, « Shevipsach hagigat arba'as alakatou medaber » Le verset parle de la viande, de le korban, le sacrifice qu'on a amené le 14e jour du mois de Nissan, « Vezeh shenem ala boker » Et ça que le verset dit, Loyal Minabasar,
etc. La boker au matin, c'est le boker shel yom sheni shel pesach. Donc c'est le matin du deuxième jour de pesach, shel shlishi shel shrita, qui est donc le troisième jour depuis qu'on a fait la shrita, donc qui était aujourd'hui. Kufyutet 119, shel le hotirim psa pesach sheni ad boker, ne pas laisser de la viande du sacrifice du deuxième pesach. Quelqu'un qui a raté le premier pesach dans certaines conditions, eh bien il fait le deuxième pesach dans le 14 iyar. Eh bien aussi donc le 14 iyar, lorsqu'on fait le sacrifice de pesach, il faut le manger. Donc si c'est aujourd'hui, il faut le manger aujourd'hui et la nuit. Ne pas en laisser jusqu'au matin. Shena m'a dit le yashir ou menu ad boker. Il ne faut pas en laisser. Enfin, quand ça arrive le matin, il ne faut plus qu'il en reste. Koufra 120. Chez le hotir m'sara toda ad boker. Ne pas laisser de la viande du sacrifice de remerciement jusqu'au matin. Shena m'a dit le totir ou menu ad boker. Vous n'allez pas en laisser jusqu'au matin. Vehu adin. Il en est de même. L'ishar kochim pour les autres choses qui sont saintes. Shen mani chimotan lachas manachilatan. Qu'on ne laisse pas après le moment que la Torah dit qu'il faut les manger, il ne faut pas en laisser. Kouf Rafale 121, chez le Lishbor Etzem Pesach, lorsqu'on mange le sacrifice de Pesach, lorsqu'on fait le sacrifice de Pesach, il ne faut pas casser un os. Chez Nama, il dit Etzem Lotishboru, vous n'allez pas casser un os dans le sacrifice de Pesach. Kouf Rafbet, on va conclure avec 122, chez le Lishbor Etzem Pesach, chez le même principe qu'on n'a pas le droit de casser un os dans le premier Pesach, dans le deuxième Pesach, comme on a dit tout à l'heure, le 14 Iyar, on n'a pas le droit de casser un os. Chez Nama, comme il est dit à propos du deuxième sacrifice, du deuxième passage, il y a écrit Etzem le Ishburovo, un os, ils ne vont pas casser. Conclure avec un mot de Chassidut. Aujourd'hui, donc, on est passé des commandements positifs du Rambam aux commandements négatifs. Alors, dans le sens profond que la différence entre les commandements positifs et les commandements négatifs, le Hadmour HaZaken en parle, entre autres, dans Igaret HaTshuva Perekalev, dans le premier chapitre. Il explique lorsqu'on retrouve une mitzvah positive et une mitzvah négative, la mitzvah positive va passer au-dessus de la mitzvah négative. Donc par exemple, donc si on fait une brit mila pendant Shabbat, en général on n'a pas le droit de faire couler du sang. S'il y a une brit mila donc qui tombe le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de faire couler du sang pendant Shabbat. S'il y a une brit mila qui tombe Shabbat, eh bien la brit mila va repousser le Shabbat. Ou bien par exemple, les kilaïm dans un tzitzit, on n'a pas le droit de faire un mélange de lin et de laine, mais s'il s'agit des tzitzit, on a le droit donc de mettre sur un vêtement qui est en laine, qui a quatre coins donc, et qui est en laine, on met des tzitzit qui sont en lin, on peut faire ce mélange lorsqu'il s'agit d'une mitzvah. Donc, en tous les cas, on voit qu'il y a une particularité dans le commandement positif qui n'a pas dans quelque chose dans le commandement qui est négatif. La Mourazakan parle ça sur différentes formes ici. Donc, l'idée qui en ressort de cela, dans le sens profond des choses, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une mitzvah positive, un commandement positif, en plus du fait d'avoir fait le commandement de Dieu, et que ça c'est l'essentiel et c'est la base, mais par cela, on amène une lumière divine dans les mondes spirituels et sur soi-même. À savoir que notre mitzvah, notre commandement a une influence. Ce n'est pas juste quelque chose de technique qu'on fait. Ça amène une lumière divine dans les mondes spirituels et sur notre âme. Chaque mitzvah, c'est comme un membre. Et d'ailleurs, comme l'expression qui a écrit dans Tikkun Zohar, Ramach Evarim Knegdra, pardon, ça c'est la Gemara, elle dit, qu'il y a 248 membres qui correspondent à 248 mitzvot positives. Donc c'est-à-dire que les mitzvot sont comme un membre. Le membre, il amène la vitalité de l'âme, l'œil, il va amener la vitalité de voir. De la même manière aussi, chaque mitzvah, chaque commandement, c'est un réceptacle, et comme un ever, comme un membre, qui l'amène vitalité, une lumière divine. Et de la même manière, donc, dans un membre, s'habille la vitalité de l'âme. De la même manière aussi, cette vitalité de la mitzvah va s'habiller dans les mondes spirituels, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait un commandement positif. Lorsqu'on fait un commandement qui est négatif, alors, bien qu'au moment où on accomplit ce commandement négatif, qu'est-ce qui est accomplir le commandement négatif, c'est ne pas transgresser. Eh bien, par cela aussi, on fait une mitzvah de Dieu. Comme il y a écrit, Yashav lo avaravera, miyam av notim lo yashav lo avaravera, eh bien, notim lo sachar, on lui donne du salaire comme s'il avait fait un commandement positif. Il y a écrit, mais, comme le rabbi souligne, c'est keilu, comme s'il avait fait un commandement positif. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été actif, tu n'as pas agi ici pour faire quelque chose comme un commandement positif. Juste, tu n'as pas fait, sans faire, donc tu as accompli la volonté de Dieu. Et Torah mitzvah essentiel, c'est pourquoi? C'est pour amener la lumière divine ici-bas et pour enlever l'esprit d'impureté en faisant les 365 commandements négatifs. Donc maintenant, lorsqu'on a le commandement positif et le commandement négatif qui se rencontrent, alors lequel on va repousser? Alors ici, tu ne veux pas dire on va repousser le commandement négatif parce que le commandement négatif, il est là pour repousser le mal. Mais ici, il n'y a rien de mal à repousser ici, c'est un commandement positif. C'est la raison pour laquelle que le commandement positif va aller au-dessus. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour amener la lumière divine. Donc, il n'y a rien de mal qui va être fait. Au contraire, il va amener une lumière divine qu'on n'aurait pas pu amener par le commandement négatif si on aurait juste
de manière passive, on n'aurait pas transgressé. Donc le cas dans l'importance de chaque mitzvah qu'on fait, comme positive, comme négative, renforçons-nous en rajoutant encore dans encore une mitzvah et encore une mitzvah. Et par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Excellente journée.